Tout le monde rêve de jouer un match comme ça, un quart de finale de Coupe du Monde. On se retrouve dans un instant à l'Al Bayt Stadium pour vivre ça ensemble. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Al Bayt Stadium. Bienvenue à toutes et à tous. On a hâte que ce duel démarre. Ici est donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Place à ce quart de finale de Coupe du Monde, la Croatie contre le Brésil. Et maintenant, pour chaque équipe, il va falloir se montrer, se découvrir, prouver que ce n'est pas par hasard si elles sont parmi les 8 meilleures équipes de la compétition. Voici la compo pour la Croatie. Dans le but, on retrouve Livaković. Mario Pazalić sera avec Ivan Perisic sur les ailes. Et pour terminer en attaque, c'est Andrej Kramaric. Voici les titulaires pour le Brésil. Dans le but, on retrouve Alisson. Marquinhos avec Thiago Silva en défense centrale. Casemiro sera épaulé par Lucas Paqueta au milieu. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Et donc, début de cette première période. Ballon vers Kramaric. Bonne intervention du gardien avec Brozovic à la réception. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un... Vous revenez au jeu, regardez. Oh, le but. Et c'est signé Neymar. Son sens du but lui colle à la peau. L'instinct du buteur est en lui. C'est ça, un joueur fondamental. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, la frappe aux légalisations peut-être. Ah, le gardien qui écarte bien le danger. Ah, il la perd de balle, ça peut s'avérer très dangereux. C'était le but de l'égalisation et c'est raté. C'est assez incompréhensible. La passe en profondeur, c'est dangereux. Oui, joli réflexe. Encore un arrêt du gardien qui capte bien le ballon. Et ça peut être dangereux. Oh, le ballon lobé. Oh, le but. Quelle finesse. Quel artiste. Le petit ballon en douceur. C'est magnifique. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et à la tombée du ballon, c'est le petit piqué qui a été choisi pour tromper le gardien. C'est magnifique. Le ballon pour Rafinha. Et le ballon passe du mauvais côté du poteau. C'est parti vers le second poteau. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. Et voilà encore une fois, tout le but est dans le centre qui est une offrande pour son partenaire.
Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. L'arbitre qui siffle à l'instant et indique donc la pause ici à l'Al Bayt Stadium. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Et Neymar, il peut frapper. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Borna Sosa, le centre vers la surface. Et le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand-chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Elle est merveilleuse cette passe. On en reste là donc dans ce match et une grosse satisfaction évidemment avec cette qualification pour le tour suivant. À souligner cette performance toute en autorité et une qualification avec deux buts d'écart en prime.